Salut, je m'appelle Gaëlle et je suis votre hôte. Bienvenue sur Lingua Talk Slow French. 99% of this podcast is in French, but I will be speaking slowly, so that if you only have a basic level, you will be able to understand a lot of what I'm saying. Have an intermediate level? Simply increase the playback speed in your podcast app. Each week, you will improve your French whilst also learning about French culture, society, history and much more. If you go to languagetalk.com/frenchpod, you can read an interactive transcript of this episode as you listen. Here you can explore the sentences you didn't understand and learn the vocab. Now, let's switch to French. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Lingua Talk Slow French. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet d'actualité, un sujet qui se passe maintenant en France. Il s'agit de la méfiance vaccinale des Français. Donc c'est par rapport au vaccin, et notamment au vaccin contre le Covid, et le fait que les Français ne sont pas très convaincus et n'ont pas envie d'avoir le vaccin. So today we're going to talk about something that is currently happening in the French society, and it has to do with the vaccine against COVID and the fact that the French population, not all of it, but part of it, seems to be quite against it. And we're going to try to understand what's happening and why. Bonne écoute. La France est le pays d'une personnalité très importante, Monsieur Louis Pasteur. Je pense que vous connaissez ce nom parce que c'est un nom très important et que très associé au monde de la médecine, de la santé et des vaccins. Car Monsieur Pasteur a inventé en France le vaccin, le premier vaccin contre la rage. La rage, c'est une maladie que les animaux, par exemple les chiens, peuvent avoir et qui est très dangereuse pour les humains. Mais dans le contexte actuel, en France, le gouvernement français, au mois de juillet 2021, donc il y a quelques mois, a été obligé de rendre obligatoire la vaccination contre le Covid. Parce que pas assez de Français se faisaient vacciner. Et donc cela posait un problème pour la protection globale de toute la société. Alors, comment on en est arrivé là? Dans un pays qui était très réputé pour la médecine et pour les vaccins, comment on en est arrivé à une situation où le gouvernement a été obligé d'imposer, de forcer la vaccination? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Nous allons étudier ça en deux parties. La première partie, on va faire un état des lieux, donc on va voir concrètement, quels sont les chiffres, combien de personnes sont vaccinées ou pas. Et dans une deuxième partie, on va voir pourquoi beaucoup de Français n'ont pas confiance. Confiance, c'est un mot très important pour aujourd'hui, ça veut dire to trust. Alors, commençons avec cet état des lieux, avec la vision de la situation actuelle. Tout d'abord, la France est en effet le premier pays dans le monde en termes de manque de confiance, the lack of trust. On peut dire de méfiance, c'est l'opposition de confiance. Donc c'est le pays en tête de tous les pays dans le monde, avec proche derrière lui la Russie et les États-Unis. En France, 33% des personnes de la population déclare dans des sondages. Des sondages, c'est quand on pose des questions à des personnes pour faire des statistiques. Donc 33% des personnes déclarent ne pas faire confiance au vaccin. Donc c'est un gros chiffre. Et ça, ce n'est pas dans le contexte du Covid. Avant le Covid, c'était déjà comme ça. Et si on compare avec la moyenne mondiale, the global average, la moyenne mondiale, c'est 7%. Donc 33%, c'est vraiment énorme. Un tiers de la population n'a pas confiance dans les vaccins. Et quelque chose qui est assez surprenant, c'est que les Français
dans l'ensemble, dans la majorité, font plus confiance à l'homéopathie. Vous savez, l'homéopathie, c'est une science qui n'est pas vraiment scientifique, justement, qui n'a pas beaucoup de preuves médicales, mais ils font plus confiance dans l'homéopathie. Il y a 73% des Français qui ont confiance dans cette médecine, alors que seulement 69% auraient confiance dans les vaccins. Ça, c'était en 2016. Alors, dans la pratique, dans la réalité, les Français sont quand même vaccinés, et si on regarde une maladie très grave et dont le vaccin existe depuis longtemps, c'est la maladie de la rougeole. Alors en anglais, rougeole, c'est measles. Cette maladie, en France, 82% des enfants qui ont moins de 2 ans sont vaccinés. Donc il y a de la vaccination, mais ce n'est pas encore assez, parce que les organisations mondiales comme l'OMS, l'OMS, ça veut dire Organisation Mondiale de la Santé, en anglais c'est le WHO, World Health Organization. Donc pour l'OMS, on recommande que 95% de la population soit vaccinée pour avoir une vraie protection efficace et pour que la maladie disparaisse. Donc en France, 82% par exemple, ce n'est pas assez. Et donc, le gouvernement français, en 2018, a rendu obligatoire 11 vaccins pour les enfants. Par exemple, le vaccin pour la rougeole. Et si les enfants n'ont pas ces vaccins, ils ne peuvent pas aller dans des lieux avec d'autres enfants, par exemple à l'école ou à la crèche, the nursery. Et ça, c'est un problème parce que dans la société française, l'école est obligatoire. Donc, si on n'a pas les vaccins, en fait, on ne peut pas aller à l'école et ça, c'est illégal. Donc, si le gouvernement en 2018 a été obligé de prendre cette mesure, de faire ça, c'est bien qu'il y avait un problème dans la vaccination en France. Quand la pandémie de Covid-19 a commencé, certaines personnes pensaient, espéraient que les mentalités allaient changer, que les Français allaient se dire « Ok, là, les vaccins sont vraiment importants, ça peut vraiment sauver des vies, donc on va revenir vers la vaccination. » Eh bien non, pas du tout. C'est l'effet inverse qui s'est passé. Avant le début de la campagne vaccinale, donc avant que les vaccins soient disponibles et qu'on les donne aux gens, quand on faisait des sondages, environ 50% des Français disaient qu'ils ne voulaient pas se faire vacciner. Donc un Français sur deux ne voulait pas le vaccin. C'était énorme. On a dit, pour faire une bonne protection, il faut 95% de vacciner. Donc vraiment, c'était très loin de la protection, de la couverture vaccinale, on appelle ça. Et donc, le gouvernement, en juillet, je l'ai dit dans l'introduction, a pris une décision très importante, mais aussi très controversée. Ça veut dire beaucoup de gens ne sont pas d'accord avec cette décision. Et c'était la décision d'imposer, on appelle ça un pass sanitaire. Ça veut dire que si on n'est pas vacciné en France, on ne peut pas aller dans les restaurants, dans les cinémas, dans les pubs, dans les musées, et même dans les magasins qui ne sont pas des magasins essentiels. Par exemple, pour acheter des vêtements ou pour acheter des CD, des choses de loisirs. Et ça, alors, ça a eu deux effets. D'un côté, un effet, on peut dire peut-être positif, c'est-à-dire que beaucoup, beaucoup de Français sont allés se faire vacciner. Donc, le résultat était obtenu, c'était ce que le gouvernement voulait. Mais de l'autre côté, il y a eu énormément de protestations, de manifestations.
certains Français sont allés dans la rue, et ils sont allés protester pour dire qu'ils refusaient, qu'ils trouvaient que ce pass sanitaire était inacceptable, que ce n'était pas démocratique, que ce n'était pas normal de faire ça dans un état de droit, un état comme la France, un état démocratique. Donc ça, c'est la situation en ce moment en France. Mais quand même, les résultats sont là, puisque quand j'ai regardé aujourd'hui sur Internet, le gouvernement français disait que 80% de la population de plus de 18 ans, donc les gens majeurs, 82% étaient vaccinés avec la double dose. Donc ça veut dire que les actions du gouvernement ont été efficaces. Mais donc, on va s'intéresser maintenant à pourquoi il y a une telle méfiance, pourquoi autant de gens en France ne veulent pas des vaccins ou ont peur des vaccins. Et donc là, c'est notre deuxième partie, et j'ai séparé ça en trois raisons principales. La première, et qui est vraiment la plus importante, c'est un problème de confiance avec le monde politique. En fait, ce n'est pas vraiment le vaccin qui est le problème. Ce n'est pas la science ou la médecine, c'est plutôt les hommes et les femmes politiques qui prennent des décisions. Je vous explique. Il y a vraiment une date très importante en France qui est une date clé dans le changement de mentalité. C'est pendant l'hiver 2009-2010. Pendant cet hiver-là, il y a eu une grippe. La grippe, c'est une maladie qu'on a chaque année. Donc en anglais, c'est « the flu ». Et là, c'était une grippe un peu spéciale qu'en France, on a appelée la grippe H1N1, donc avec la lettre H, le chiffre 1, H1N1. Et en fait, le monde politique a eu très peur et a pensé que ça allait être une véritable pandémie, comme le Covid maintenant. Et donc, ils ont commandé, ils ont acheté énormément de vaccins pour vacciner la population française. On peut penser, très bien, c'était de la politique de santé publique, et c'était une bonne décision. Mais, en fait, on a réalisé, on a compris, après, que cette grippe n'était pas vraiment dangereuse et elle n'avait pas besoin d'une réaction aussi forte. Parce que bien sûr, ça coûte beaucoup d'argent quand on achète beaucoup de vaccins, beaucoup de masques. Et c'est là où le public français, où les citoyens, the citizens, les citoyens français, ont commencé à douter. They started to doubt. Ils ont commencé à douter de leurs politiciens, des hommes et des femmes politiques, et ils ont commencé à dire qu'il y avait en fait beaucoup trop de liens, de connexions entre le monde politique et le monde des laboratoires pharmaceutiques. En anglais, on appelle ça Big Pharma. Maintenant, en France, parfois, on dit aussi Big Pharma, mais le vrai mot, c'est labo, ou laboratoire pharmaceutique. Et donc, on a vu qu'il y avait peut-être des collisions entre les intérêts financiers de ces grands groupes pharmaceutiques et les hommes et les femmes politiques. Et les Français ont commencé à vraiment perdre confiance, à ne plus vouloir croire les gens politiques. Et donc c'est pour ça que la date de 2009-2010, c'est une date clé. Avant 2009, 10% des Français disaient ne pas avoir confiance. Après 2009, c'était 40%. Donc vraiment, cette crise sanitaire a eu un impact énorme sur la confiance des Français. Et ensuite, quand le gouvernement prend des décisions avec des lois, so with laws, quand il oblige, quand il force les citoyens à se faire vacciner, comme avec les enfants en 2018 ou comme pour le Covid en 2021, les gens vraiment n'aiment pas
cette obligation et ont l'impression que c'est une atteinte à leur liberté. Ça veut dire que leur liberté, ça veut dire freedom. So it's like the freedom is attacked. Et ça, c'est quelque chose de très difficile à supporter, à accepter. Et aussi, beaucoup de Français pensent que dans un État démocratique, on devrait être libre de prendre des décisions quand c'est pour notre propre corps, pour notre propre santé. So for our own body, for our own health, we should be allowed to take our own decision. C'est ce que certaines personnes pensent. Et donc, en fait, la méfiance contre les vaccins, réellement, c'est plutôt une méfiance contre le gouvernement. Et donc, c'est devenu très politique. Maintenant, c'est un peu la question, si on est pour ou contre le vaccin, so for or against vaccine, pour ou contre, c'est un peu comme si on disait « je suis pour ou contre le gouvernement ». Donc ça, c'est la première explication de la méfiance. La deuxième, c'est que malheureusement, il y a eu aussi beaucoup de fausses études scientifiques. Alors, consciemment fausses ou peut-être par erreur, by mistake, et aussi beaucoup de théories du complot. Ça, c'est un mot intéressant dans ce podcast. En anglais, théorie du complot, on le dit conspiracy theory. Donc, c'est quand des gens pensent qu'il y a un complot, ce conspiracy, contre eux, alors organisé par soit un individu très riche, soit une communauté, soit un État. Et ça, effectivement, c'est aussi très fort. Mais si on revient aux mauvaises études scientifiques, par exemple, pendant longtemps, on a un médecin anglais a dit qu'un vaccin était lié avec l'autisme. Maintenant, on sait que ce n'est pas vrai, mais malheureusement, cette idée-là est vraiment restée dans la tête des gens et certains pensent sincèrement que les vaccins sont dangereux, qu'ils ne sont pas bien testés. Et enfin, la dernière explication pour cette méfiance, c'est que si on oublie le Covid, si on met le Covid de côté, ça fait très longtemps en France qu'il n'y a pas eu de grande épidémie. Ça fait très longtemps que les maladies pour lesquelles il y a des vaccins n'ont pas tué beaucoup de gens. Par exemple, la rougeole. Avant, c'était une maladie très grave et mortelle. So you could die, it was lethal. Mais maintenant, parce que la rougeole a presque disparu, eh bien, on a oublié que c'était dangereux. On a oublié que c'était très grave. Et donc, quand on oublie, on pense que les vaccins ne sont plus vraiment importants. Donc voilà, pour les trois raisons. On a dit raison politique, raison pour les théories du complot et oubli du danger. So now we are almost done, so I can do a quick summary in normal pace French and you can challenge yourself to see if you can still follow me. Good luck! Bien, donc aujourd'hui nous avons parlé des vaccins et nous avons dit que la situation en France était assez particulière parce que beaucoup de gens se déclarent méfiant et ne veut pas se faire vacciner, donc 33%, et ça c'était même avant le Covid. Dans la réalité, les gens se font quand même vacciner, mais c'est vrai qu'on n'est pas encore au niveau des recommandations de l'OMS, qui est de 95%. Le gouvernement a été obligé d'imposer deux fois des vaccinations obligatoires pour les enfants et pour le Covid. Et ça a beaucoup crispé les gens, ça a créé beaucoup de tensions. Et cet été, pendant le mois de juillet et d'août, il y a eu beaucoup de manifestations en France contre ces obligations. Et nous avons vu, dans les raisons pourquoi il y a cette méfiance, qu'il y en avait trois particulièrement. La première, c'était vraiment une histoire de politique. En fait, le manque de confiance pour les vaccins, c'était surtout un manque de confiance pour le monde politique, pour le gouvernement. Il y avait aussi beaucoup de théories du complot qui circulaient. Et qu'enfin, les grandes pandémies, ça fait bien longtemps qu'on n'en a pas eu en France, et donc on a oublié en fait la gravité des maladies que les vaccins protègent.
And now we're back to slow French. Donc, pour conclure cet épisode, il faut bien rappeler que en France, oui, il y a beaucoup de gens qui sont méfiants, mais il y a une grande différence entre les paroles, ce qu'on dit, quand on dit « je ne fais pas confiance », et les actes, la réalité de nos actions. Parce que dans la réalité, quand même, la majorité des Français se font vacciner. Ensuite, il faut bien garder en tête que cette méfiance, elle est surtout politique, à cause d'événements qui se sont passés en France dans les années 2010, et c'est ça qui a marqué les Français, et c'est pour ça que maintenant, ils ne font plus confiance dans les hommes et les femmes politiques. Et enfin, qu'il y a une grande différence entre les gens vraiment anti-vax, qui pensent que les vaccins sont dangereux, que les vaccins sont un complot mondial, et les autres, la grande majorité des autres, qui pensent seulement que c'est peut-être il y a un problème entre le monde politique et le monde des laboratoires pharmaceutiques, mais ils savent que les vaccins sont efficaces et ne sont pas dangereux. Voilà, nous avons terminé cet épisode un peu politique et beaucoup d'actualité. J'espère que vous n'êtes pas offensés et j'espère que vous avez mieux compris pourquoi en France il y a beaucoup de méfiance et pourquoi les vaccins contre le Covid ont créé autant de tensions cet été. Merci pour votre écoute. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Salut! Thanks for listening to this episode. It was produced by LanguageTalk, a platform where I and many other tutors offer personalized one-on-one online lessons. If you're interested in learning to speak French with a native tutor, check out LanguageTalk.com to meet a tutor for a 30-minute trial session. You can also re-listen to this episode whilst reading an interactive transcript at LanguageTalk.com/FrenchPod. Try noting down some vocab, as well as working on your pronunciation by copying what I say. If you liked this episode, please consider subscribing, sharing the podcast with a friend, or leaving a rating in your podcast app. This will help us grow, which in turn will allow us to produce more episodes. Merci et à la prochaine!